témoignage. Nous allons passer au témoignage. Je vois une maman là-bas qu'on a délivrée de la sorcellerie via la mort de Gogo Boula. On acclame le Seigneur. Oui. Ici, nous délivrons les gens de la sorcellerie. Nous faisons des personnes qui la même famille, la même maison. Pour nous, la sorcellerie est une maladie. Ensuite, le vin. C'est ce qui est truqué dans la tête des gens. Il faut tuer le sorcier. Mais quand vous écoutez le sorcier dans des aveux, les gens même sont par moi victimes. Parce qu'il y a une initiation. Ils ne sont pas là sur Cossé, ni de cache, ou une pharmacie pour acheter sorcellerie. Amen. Amen. Et quand tu rentres dans la confrérie, c'est un non-retour faux Jésus. C'est la contune humaine. Tu as mangé pour moi, j'ai mangé pour toi. Si tu ne veux pas, on te mange. Donc être un sorcier, tu es dangereux pour toi-même. Et pour la société. Amen. Mais Jésus dit qu'il est venu pour ceux qui sont malades. La sorcier est une maladie. Parce que c'est une possession démoniaque. Donc ça, tu sois pris, tu caches, tu détruis. Il n'y a que seul Jésus qui te fait délivrer. Amen. Elle a été délivrée ici. On l'a envoyée parce qu'elle était sorcière, elle a reconnu. Nous l'avons délivrée, nous avons parlé au démon, le démon est parti. Tu la voyais tout à l'heure contente. La nouvelle vie. Comment tu l'amènes? Tu as rajeuni, hein? On acclame le Seigneur. Tu ne vas pas là-bas? Avant tu étais sorcier, c'est ça? Tu mangeais bien. Maintenant tu m'as une seule fois, tu m'as écouté avant là-bas. Oui, comme Jésus est bon. Jésus te fera oublier, il va faire les choses de ton passé. Dieu est vraiment merveilleux. C'était pas de ma faute, c'était de moi qui me voulais compris. C'est pas la peine de tuer. Si vous avez des sorciers, envoyez-la ici, on les dit. Amen. S'ils sont nombreux dans vos maisons, voyez-la, on les délivrer. Nous avons déjà délivré plus de 294 sorciers. 4094 sorciers. Depuis 2006, nous avons délivré les personnes de la sorcellerie. Parce que l'église a le pouvoir. L'église a le pouvoir de délivrer les gens. Le parlement, une fois qu'on a dit, croyez en Jésus. Alors, croyez en Jésus.
ne doit pas condamner. Il ne doit pas condamner. Maintenant, le châtiment appartient à Dieu. Quelle personne décide d'abandonner un péché, il faut l'aider. Amen. Si nous délivrons les gens, nous délivrons les gens de la sorcellerie. Un témoignage vivant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Bien vous. Va vous faire voir, tu t'arrêtes là. Voici son état. On l'a enchaîné quand même, merci. On m'a appelé pour dire elle est malade. Elle est bonne. Il l'a envoyé dans un véhicule ici. Je l'ai trouvé de l'autre côté. Et quand je crois à la puissance de Dieu, je me suis adressé au démon. Amen. Quand elle est venue, elle était très violente. Toute la nuit, elle criait. Je parlais. Amen. Amen. Parce que Jésus est vivant. Amen. Dans la chanson, il dit qu'il est vivant, il n'est pas mort. Amen. Dieu est vivant encore. Il faut même pas souhaiter ça à quelqu'un. Mais quand je regarde les personnes fortes, c'est dans mon cœur. La mort vomit la folie. Mais elle est bien plus vraie. Il a combien de mois? 5 mois. Vous voyez? Je suis en train de prier pour elle là. Le bon vivant. Je suis en train de chasser le démon. Voici ton état. Voici comment tu étais. Vous aurez le gazon de regarder, il y a des CD. Tu as vu comment tu étais? Quand tu es venu ici. Comment tu t'appelles? Tu crois que tu es guéri? Hein? Pas le fort. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va donner la parole aux parents. Vous l'avez envoyé dans quel état? Vous avez vu quoi faire arriver ici? Ok, nous rendons gloire à Dieu. C'était au coup des funérailles. Elle est mariée à Yokoubwe. On est Yokoubwe. Donc elle a perdu son père. Voici sa maman. Et moi je suis le petit frère à sa maman. Donc c'est juste un jour après les funérailles, lundi, elle se rend dans son village, le village de son mari. Mardi, on nous appelle qu'elle est déshabillée. Le mari vient. Le mari, il nous appelle pour dire que la femme est déshabillée. Donc, il fallait que quelqu'un s'y rende. J'y suis allé. Et moi, je l'ai trouvé dans un état. Elle attaquait. Donc j'ai demandé au mari de faire un effort pour trouver du transport. C'est un village qu'il ne connaît pas. Mais il lui a dit, trouve-nous à Divo. Et nous avons une pénielle.
Zaroko, où Dieu opère des grands miracles. C'est comme ça donc. Le père est plus. Le mari s'est fracassé pour avoir loué une voiture. Le coupé jusqu'ici. Elle était ligotée. Oui. Elle est ligotée en dessous. Ils l'ont ligoté. Ouais. Faut dire que les petites chiennes là, elles cassaient tout ça. Là-bas, elles les coupaient même. Elles les cassaient. Elle était devenue plus forte. Elle terrassait son mari. Bon, moi, j'en avais peur parce que j'étais à l'étranger. J'ai reculé un peu. Arrivé ici à Zaroko. J'ai dit à son mari, aie confiance en Jésus-Christ. Amen. J'ai arrivé à Zaroko. J'ai foi que moi, ma mère sera guérie. C'est comme ça, à la sens du prophète, ses premiers serviteurs ont prêché sur elle. En même temps, elle a regagné le calme. Celle qui n'avait jamais mangé, qui n'avait jamais dormi, a dormi ici de 14h, de 11h jusqu'à 15h. Elle était encore elle vivait encore, l'esprit encore, était encore en elle. C'est après donc que l'esprit a commencé à se manifester. J'ai appelé mon prophète, j'ai dit prophète, c'est encore moi, j'ai encore une maladie. Il dit, si tu crois en Dieu, même je suis à Divo, elle sera guérie. Le mari appelle pour dire qu'il y a du mieux. Je me suis rendu moi-même. Le prophète est venu, il avait l'œuvre que le mari a recommandé de faire. On a chassé le démon, j'ai dit au mari, la première étape, la femme va commencer à s'apaiser. Et lui, il suivait ça. La deuxième étape, il va commencer à avoir la conscience. Et tu vas retrouver ta femme guérie. Mais c'était vraiment difficile de croire. Parce que dans les temps dans lesquels se trouvait sa femme, c'était vraiment terrible. Une folie exagérée. Je suis ici. Laisse. Tantôt m'interpréter. Ok? On va te laisser distraire. Donc, une folie exagérée. Ok. Je dis, monsieur, Jésus est fort. J'ai vu des personnes venir tenter de folie. Je crois trop à la puissance de Jésus. C'est un petit problème. J'ai dit, quand ta femme va guérir. Je lui ai dit ça. Amen. Un démon le chasse. Et voici l'état de sa femme. On va t'arracher quelques mots. D'accord. On va voir son mari. Parce que tout à l'heure, on va prier, ils vont partir. On va les libérer demain matin. D'abord, avant de commencer, je rends gloire à Dieu. C'est ma femme. Comme on vient de le dire, le beau. C'est tout juste. Arrivée des funérailles de son père. Elle m'a suivi le lundi. Elle a passé la nuit. Dimanche à moi, lundi a été, lundi mardi. Donc, elle a dit qu'elle m'avait. Moi, je suis arrivé dimanche. Elle dit que là-bas, de choses comme à des jeux niveau, elle a commencé à sentir comment dire. Donc quand elle est arrivée à Ekoubé, elle arrivait chez nous. Donc on était couché. Pendant la nuit, dans les environs de 3h du matin, j'étais en plein sommeil. J'ai senti des battements. Qu'est-ce qui se passe? Je vois ma femme qui met sa tête de gauche à droite. Elle me dit, tu as quoi? Il est comme?
J'essaie de lui attraper les mains. Elle m'a poussé la main même. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quelle force tu as? Et je suis sorti. Je me suis arrêté au dehors pendant 15 minutes. Je suis retourné dans la maison. Bon, moi, je retournais déjà. J'ai pris son pain. J'ai dit à Tony. Et c'était presque, il était vers 5h du matin. Elle est sortie avant moi. Ça s'est déclenché comme ça. Elle a bavardé. Le matin, jusqu'à 15h. J'ai apprêté un taxi. Sur la route, il m'a dit qu'il y avait un prêtre là-bas. Là où on ne sais pas faire des prêtres. Voilà. Faut parler d'ici. Donc, je l'ai fait partir là-bas d'abord. Et après, on est revenu à Yokoboué. Quand on est arrivé à Yokoboué, les parents m'ont dit que chez nous, il y a une maladie, on a fait un truc comme ça. Donc, on va lui faire ce médicament-là. On a suivi ce médicament pendant. Qui lui donnait le médicament, qui le soignait là. Non, il dit non. C'était ce que j'ai appuyé. Et il m'a dit bon, fais une fois. Viens venir la femme. J'ai tout fait. Ils ont quitté là-bas à 4h du matin. Ils sont arrivés ici vers 10h. On a passé par du bon. Après, vraiment, moi-même, quand je suis arrivé, je n'ai pas pu, mais ils savaient que ma femme allait guérir. Ils savaient qu'elle allait guérir. Arrivé ici, quand nous sommes descendus, elle a pu dormir pendant, pourtant elle n'a pas dormi pendant 7 jours. Elle n'a pas dormi, elle n'a pas fermé. La chose s'est déclenchée. Fortement même d'ailleurs même. Et le pasteur et l'autre. On va l'amener de l'autre côté. D'accord. L'ingénieur était dans la chaîne. La situation va pire du jour au lendemain. Elle a refusé de manger. Elle a tenu pendant 14 jours. Depuis le village, elle a fait plus de semaines sans manger. Arrivé ici. Elle a fait quelques jours avant que le père lui donne encore 3 jours de plus là. Les 14 jours qu'elle a fait. Quand le vient de lui donner à manger, elle prend et fait après. Par là, j'ai commencé à m'inquiéter parce que c'est grâce à vous. Le seul un jour, il est aussi. Je lui ai fait le besoin. Et je lui ai dit bon, je vais acheter du café. Quand je suis sorti, j'ai acheté le café avec un pain. Elle était assise. Charles, où je suis? J'ai tremblé sur moi. J'étais étonné même. Quand elle m'a demandé, ça m'a vraiment étonné. Est-ce que tu te retrouves? Elle dit non, je te demande où je suis. Qui m'a donné ça? C'est ton nom. C'est la peste. Tu te fais venir. Ici, nous sommes à plus que
pas, 30, 40 kilomètres. Ah, tiens, la purifier à Rome. Ouais, à Rome. Où sont mes enfants? Non. Les enfants, on est resté très loin. À l'église, il faut voir trop bien. Il a commencé à venir. Nous, qui a voulu. Ça va? Petit à petit. Petit à petit. Bon, au début, elle faisait, bon, je sais pas, elle faisait le dupi, les tissus, tout ça. On en avait un bon cœur. Elle était au moment où elle-même, quand elle était au besoin, les besoins précipitent. Avant même qu'elle se mette prêt pour faire les besoins déjà. Petit à petit, deux semaines de cela, tout est terminé. Elle s'est reposée. Au début, je prenais, comme on avait sur le photo, je vais attaquer, lui mettre ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle-même, elle demande, chaque matin, elle demande à manger, elle mange elle-même, elle va à celle elle-même, pour elle-même, vraiment. Non, dis ton nom. Dis ton nom. Comment tu t'appelles? C'est le bonheur Rachel. Comment tu es arrivé ici? Moi, dit en quête. C'est vrai qu'ils ont témoigné, mais on voulait t'arracher quelques mots. Tonton Malek Kassouen. Oh, bonjour, on a des bagnes à Djabori. Prophète Kassou. Mborgo. Ça. On t'a d'Akouana, on t'a mis au cas Djabonari. D'accord. On m'a prié. 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 On m'a grâce à vous, elle a eu la guérison. Si elle n'était pas venue vers vous, elle ne devait pas être guérison. Donc, hein, c'est à travers vous qu'elle a eu la guérison. C'est Jésus qui t'a guéri. Jésus t'a passé sur toi. Amen. C'est que tu es guéri. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de notre Dieu? Comment lui s'appelle Agri? Dis que c'est qui? Il s'appelle Dondo. Non, on dit Dondo. Il est qui pour toi? Qu'est-ce qu'il est pour toi? C'est mon nom. C'est ton nom qui est celle-là? Non, non. C'est ta propre mère? Non. Son nom? C'est ma sœur Wobo. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus lui? Où est son bébé? Va me prendre ton bébé. Non, non, laissez. Va où ton bébé que tu m'envoies le bébé. Va prendre le bébé. On a mis d'ailleurs. Va prendre le bébé. Viens, viens. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus? Après combien de mois, en toi qui es la maman après la crise de folie?
a fait 5. Elle a parlé combien de mois? Elle avait 4 mois. Elle avait 4 mois, maintenant elle a 5 mois, c'est ça? C'est bon, faut laisser. Elle est tous 6 mois. Aussi, oui, elle a eu un. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Ce qui vient de se passer dans ta vie, ce n'est pas la force d'une personne. C'est vrai que Dieu même a utilisé quelqu'un. Mais c'est la puissance de Jésus. Jésus t'a montré à plus près. Ne dis pas dans un peu, mais à côté. Moi, j'étais malade avant. Amen, la tu m'as guéri. Le monde guéri. Tu m'as délivré. Oh, ah bon. Je crois toujours à sa puissance. Déjà, quand je t'ai vu dans ton état, j'ai dit ce qu'il a fait pour moi. Il peut aussi le faire pour moi. Il s'est mis à prier. Le monde a guéri. C'est pas l'œuvre de Crasso. C'est l'œuvre de Jésus. Vous te confiez à Jésus. Si tu quittes ce centre, tu marches avec lui. Si tu marches avec lui, le soin t'a guéri. Il y a d'autres choses. Il y a pendant ta vie la bénédiction. Il y a toute ta maison. Dieu ne peut pas dire à moitié. Ce qui ne peut pas achever, il ne m'a pas commencé. Donc tout dépend de toi. L'homme invoqué, il a répondu. Nous allons te libérer. Croyant que toi, tu ne vas pas l'abandonner. Je comprenais ton mari. Parce qu'il n'avait pas encore vu beaucoup de choses. À peine même quand je parlais, j'étais venu. Mais je croyais. Moi, je voyais bien ton mari. Je ne vois pas comme il voit. Je vois ta femme guérie. Je la vois guérie des lits. Parce que je crois à la puissance de Dieu. J'ai vu les gens qui avaient les cancers pieds. Jésus a guéri. J'ai vu des bébés morts dans un ventre. Ils sont ressuscités. J'ai eu des miracles. Jésus est Seigneur. Si tu vas, poursuis son chemin. Il faut marcher avec lui. Amen. Nous allons prier pour eux. Parce que demain matin, il va regagner son foyer. Vous avez fait combien de jours ici, déjà? Plus d'un mois? Plus d'un mois. Pratiquement deux mois. Nous allons s'en prier. Elle est recommandée à la grâce de Dieu. Ah d'accord, c'est qui? C'est la mère adoptive. Ah d'accord. Tu vas à l'église? Tu as Jésus dans ton cœur. Tu as bien après moi. Tu marches avec lui. C'était avec elle. Ah d'accord, c'est elle qui accompagnait. Ah d'accord. Et puisque c'est vous, c'est-à-dire vous qui nous avez fait son miracle, elle vous remercie. Elle vous remercie humblement de. Elle était au camp ici.
On gloire, on glorifie le nom du Seigneur. C'est une œuvre du Saint-Esprit. C'était Jésus-Christ qui l'a guéri, qui l'a délivré. Nous confions à Jésus. Il faut marcher avec lui. Vous avez entendu parler de Jésus. Vous avez vu l'œuvre de Jésus. On dit qu'il est vivant. Si vous marchez avec lui, il continuera d'agir. Si vous l'abandonnez, lui aussi va vous abandonner. Voilà. Donc, vous partez avec une œuvre, vous êtes marqué avec par ce miracle, par cette délivrance. Donc, cherchez à faire la volonté de Dieu. Cherchez à marcher avec lui. Dieu ne fait pas un miracle comme ça. Il y a d'autres sont dans la rue. Celui qui l'a délivré. Je vous amène à comprendre. Vous devez le servir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci encore pour Rachel que tu viens de délivrer, qui va regagner sa maison, son foyer. Nous savons quand tu commences, tu achèves l'œuvre de ta main. Nous la plongeons dans ton sang précieux. Nous condamnons à jamais les forces des ténèbres. Nous proclamons à jamais ta Seigneurie sur sa vie. Merci notre Dieu pour cette guérison et délivrance que tu parfais. Je la cède dans ton sang. Et merci de bénir son foyer et ses enfants. Merci de pourvoir tous ses besoins, à celle de sa propre famille biologique, à son donner pour Seigneur. Merci, et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. On dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Demain matin, vous pouvez partir. La bénédiction. N'oubliez pas Jésus. C'est pas crasso. Vous partez, ne dites pas mon nom dans vos prières. Vous pouvez prier pour moi. Mais ce n'est pas au nom de Crasso, non. C'est au nom de Jésus que nous prions. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le
cas de folie, il y en a plusieurs comme ça. Amen. On va dire au Père, on va arracher quelques mots au papa d'abord. Yo, quand va bien. Tu peux parler français régulier et tout ça, on doit traduire. Tu sens quoi, tu veux? Tu peux te débrouiller. Ok, vas-y. Non, il va. Ton fils avec quoi? Comment tu l'as? Tu t'es retrouvé ici? Prends le micro, pas dans le micro. Mon enfant, quand je venais à lui, en tout cas, quand on était dans la voiture, il graissait tout le monde. Même on est arrivé au corridor là, moi-même j'ai eu honte. Quand je lui dis non, t'es pas paré, il dit non. Et là, ils sont quoi? On ne sait pas ton mieux. On va arrêter. Attends, on va chasser ta santé. Quand on est arrivé ici. Maman, vraiment, il a fait plusieurs jours, il ne dort pas. Moi-même, je n'étais pas en dessous. Amis, il est à la grâce de Dieu. Je dois remercier Dieu. À la grâce, aujourd'hui, je cause à lui. On rit ensemble. Il mange bien. Là-bas, je vois qu'il mange bien. On va manger la veille. Ça, tu as rempli un peu poche là, hein? On va t'arracher quelques mots. Je salue tout le monde. Qu'est-ce que tu avais avant de venir? Bon, au fait, moi-même, je ne me sentais pas, je n'ai pas vu dedans. Donc, je me trouve un peu. Je suis un peu tourmenté. Je venais sur l'intention, mais je ne sais pas si c'est bien le sang. Maintenant, qu'est-ce que tu sens récent? Actuellement, c'est un traitement de Dieu Jésus. Ça va? Léger. Hein? Tu ressens bien, tu reconnais ton papa? Tu manges bien? Je suis bien alimenté. Et puis tu dors bien? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia! Jésus t'a délivré. Dans la temps comme une semaine, il a dit d'approchement le problème. Je vais signer son bulletin de sortie. Et puis on va le soulever à Divo, c'est ça? C'est ça. Ok, comme je suis à Divo, je vais passer constamment là-bas le soulever. Il fréquente avant? Non, mais il va reprendre l'école. On va l'aider. Il a droit à l'éducation. On va l'aider. Nous sommes prêts à acclamer Jésus-Christ. La Godia Divau, la Godia Divau, mon Godia Divau, la Godia Divau, Divau, la Godia Divau, como mañana la Godia Divau. Bye.
acclamer le nom du Seigneur. Alléluia. Nous croyons la guérison divine. Croyez qu'au travers de la prière, Jésus peut guérir. Oui, nous croyons la prière, nous croyons la guérison. Jésus n'a pas changé. Jésus donne des dents. Il est encore le même. Il n'a pas changé. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Il dit à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tous ceux qui croiront en moi auront les mêmes œuvres, accueilleront les plus grands. Amen. Jésus est encore vivant, capable de vous guérir. Il n'a pas changé. J'ai vu les six biens que Jésus a guéris. En 30 minutes, j'ai vu 60 six biens que Jésus a guéris. À moi, sous mes yeux. Je dis, il y a un peu 60 six biens devant moi. En 30 minutes, Jésus a guéri. Amen. Amen. Jésus est puissant. Je dis qu'à Alléluia. Amen. Je le suis parce qu'il est un Dieu de miracles. Ah, sur les miracles. Ah, s'il n'y a pas de miracles, moi je le suis. Pas. C'est comme ça. Si Jésus ne faisait pas un miracle, il n'y avait pas. Je ne suis pas sur quelqu'un que je ne connais pas. Je ne suis pas malade. Amen. Il n'y a quoi? Amen. C'est quand les gens, Jésus a commencé à faire les miracles. Je dis qu'il y a des gens, le chapitre 2. Et les disciples ont commencé à croire en lui. Puis les gens disciples ont commencé à croire en lui. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont tué. En mon nom, ils chasseront les démons. L'église a le pouvoir de régler les problèmes de l'humanité. C'est à nous que Christ a donné le pouvoir. Malheureusement, les gens dorment. Nous devons nous réveiller de ce sommeil. Pour montrer au monde. Pour éclairer le monde. Pour les morts qui mis ce monde-là. C'est là. Même les volards et tout ça. Jésus-Christ en est la solution. Amen. Jésus-Christ en est la solution. Oui, Jésus-Christ en est la solution. Parce qu'il est écrit dans Isaïe 53 que c'est par ses meurtres, c'est sûr que nous sommes guéris. Moi, j'ai dit aux gens, restez tranquilles. Si vous n'avez pas l'onction, cherchez l'onction. C'est quand tu as appelé, Dieu doit montrer aux yeux. Dis, voici les miracles. Si les miracles n'accompagnent pas ton ministère, moi je ne crois pas ton ministère. Parce que les disciples, ils allaient, ils ont démontré la puissance de Dieu. Dis, restez ici jusqu'à ce qu'il vienne sur vous. C'est que vous recevez une puissance, vous serez mes témoins. Ne croyez pas de Dieu comme ça. Il faut que les signes t'accompagnent. Il faut que les miracles t'accompagnent. Donc si on vous dit vous suivez les miracles, vous dites oui. Et Dieu est l'auteur des miracles. C'est pas une bêtise de suivre les miracles. Celui qui est l'auteur des miracles, c'est Dieu. Et quand Dieu est quelque part, il guérit, Dieu n'est pas dans un endroit que la maladie est présente. Quand il est quelque part, il fait disparaître la maladie. On dit amen. Oui, parce que c'est lui la guérison. C'est lui la délivrance. Et quand il est quelque part, les démons ne peuvent pas rester. Notre Dieu est vivant. Le Dieu est périmé. Il n'y a pas Dieu à part, il n'y a pas Jésus à part. Il est notre Dieu. Il est puissant. On dit amen. J'ai vu les gens que Jésus-Christ a fait quand il est venu. Des voyages en quelques minutes, ouais, en quelques jours. Ils sont allés en voyage. Ouais, oui. J'ai seulement touché le passeport. Il dit allez-y. Aucun consul ne peut vous réviser le visa. Pourquoi c'est réglé. Parce que le prophète est une clé. Oui. Quand tu rencontres le prophète, il y a tous les corps de la dynamique. Parce que je crois, j'ai cru en Jésus. Je suis ici à sa. C'est parce que j'ai cru à la puissance de Dieu que nous avons éloigné la mort des âmes. Parce que Jésus est la vie. Et là où il est présent, la mort quitte l'endroit. La sorcellerie. Alléluia. C'est pour cela qu'ici, quand tu fais sorcellerie, on t'attrape. Tout le monde est chougouillé en poison. Tu t'es amusé à manger. Bat tes bras. Vous avez écouté tout à l'heure. Vous avez allé manger chougouillé en poison. C'est comme chougouillé qui mange bien poisonné. Le monde n'a pas semblé. Ici, la parole du prophète suffit. Qu'est-ce qui a été dit sur toi pour que tu aies été
parole de Dieu. Si vous êtes fort, déplacez plateau pour envoyer à Zadok. Nous voulons voir une Afrique développée. Vous êtes dans une zone minière. L'esprit de l'homme l'amène ça ailleurs. Il n'y a pas de développement sans toi. La route précède le développement. C'est pour ça que nous sommes ici. Vous faites ramener le développement. Si quand une église est quelque part, le développement entre la vie, mais ça commence à venir. On dit amen. Nous allons combattre jusqu'à ce que Jésus soit roi. Pour que les jeunes gens voient la vie. Ils n'ont plus peur de la région. Ils ne vont plus avoir peur de la région. Ils ne vont plus avoir peur de la village. Ce ne sont pas les gens qui disent n'allez pas au village. N'allez pas au village. Allez au village. Si c'est de vous qui a besoin, nous sommes en train de préparer les élèves. Nous sommes là. En train d'encourager les élèves. Nous prions pour eux. Pour la relève demain. C'est pour ça que le lundi, nous allons donner des kits scolaires à l'école des Arocos. Le ministère va offrir aux enfants des Arocos des kits scolaires. Nous allons les encourager à aller à l'école. Je vais voir le directeur. Il dit l'année qui est passée, c'est 80%. 80%. Il faut qu'il y ait des cas dans cette région. C'est les cas qui sont la cible des sorciers. C'est eux qui sont les sorciers morts. Si nous évangélisons qui nous partons, il n'y a pas de suivi. Nous allons continuer de détruire. C'est pour ça que nous sommes dans cette région. Voyez une génération en train de se développer. Et bien sûr, dans le Seigneur, c'est cela qui encourage les gens à se faire. Vous avez des parents qui sont dans la sorcellerie. Nous allons la délivrer. Nous allons très bientôt à Gogo-Gogo. C'est allez, la femme de vous les parlez très bien. Amen. Je vous confirme ça ce soir. Que tout le monde pense dans le Canada. Allez évangéliser. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Nous sommes liés par l'évangile partout. Nous sommes partis de la Côte d'Ivoire. Nous avons annoncé l'évangile. Nous n'avons pas besoin de l'aide d'invitation.